la douche. Et je me suis fait 56 soins, exfoliant pour le corps, masque pour les cheveux. Ça fait vraiment du bien. Je me suis payé une petite douche de luxe, on va dire, ce matin. Je devais aller rejoindre Gabrielle pour aller marcher au parc Angrillon, mais il fait vraiment pas beau. Puis il pleuvait là, il a arrêté de pleuvoir, là, mais c'est pas le fun de marcher dans la bouette, là, fait qu'on a annulé nos plans. Ce qui fait que j'ai pas de plan. C'est encore noir dans mon appart. J'ai vraiment juste pris ma douche, puis je me suis habillée. Fait que je pense que ça va être le genre de journée où je fais plein de petits trucs que je veux faire depuis longtemps, genre nettoyer le frigo. Puis j'ai réalisé quand même que j'ai vraiment beaucoup de bouffe dans mon congélateur, là, puis j'ai vraiment beaucoup de bouffe dans le garde-manger, puis j'ai accumulé trop de bouffe. C'est sûr que j'en reçois beaucoup à cause de mon blog aussi, des échantillons, plein de fois de même. Puis je suis un peu hoarder de bouffe, j'ai toujours peur de manquer de choses, fait que j'ai tendance à faire des provisions. Fait que je me suis dit qu'au mois de novembre, j'allais passer à travers mes réserves. Parce que ça reste pas frais pour toujours. Puis encore une fois, dans la mentalité de pas faire de gaspillage. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est un peu une journée d'inventaire puis de nettoyage aujourd'hui, je pense. Puis excusez mon shiny face, là, mais je fais encore une journée sans maquillage aujourd'hui parce que j'essaye encore de soigner ma peau. Puis là, je viens de mettre un super soin hydratant de Kiehl's. Ça fait tellement du bien, là. Puis je vais sûrement faire des masques pendant la journée aussi. Fait que ça va être drôle, genre je vais faire du ménage en portant un sheet mask. On se prépare pour l'Halloween comme on peut. Je viens de réaliser que je peux installer YouTube sur ma PS3 pour regarder des vidéos sur ma télé. Oh my god! J'ai aussi décidé de ne pas allumer la lumière encore. Fait que j'ai allumé deux bougies. Trop cool! Tu as tellement regardé des vidéos toute la journée! Je sais que c'est pas nouveau là. Ça fait genre depuis 2012, ça existe. Mais je l'avais juste jamais installé là. Moi, je regarde des vidéos sur mon ordi là, comme une vieille personne. Là, je me suis séché les cheveux avec ma nouvelle brosse, mais elle va quand même bien. Je suis quand même contente. Puis ça, c'est la crème que j'utilise pour mon visage présentement. Puis c'est ça que j'utilise présentement pour essayer de réparer ma petite joue qui est toute abîmée. Puis ça fonctionne assez bien. C'est une crème au zinc. Ça sent rien, c'est doux. C'est ça, c'est une autre journée sans fond de teint. J'ai fait mes yeux, par exemple. Je trouvais que j'avais l'air trop fatiguée. Je vais pas allumer les lumières chez nous. Il est 11h48, il fait vraiment noir. J'ai juste des bougies d'allumer. Puis je viens d'en allumer une autre, qui est la menthe chocolat que j'avais achetée dans le temps des fêtes. Qui sent si bon. Moi, j'adore les odeurs de menthe chocolat. Ça, c'est vraiment un love it or hate it. C'est comme la coriandre. Quand t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Ça, c'est mes crayons. Quand je fais du coloriage, j'ai l'espèce comme un bouquet de crayons. Je me suis donné comme but aujourd'hui de boire beaucoup d'eau, donc j'aimerais ça en boire 3-4 comme ça. Là, j'en ai une et un tiers de but. Fait que ça va bien. J'aime bien l'eau, fait que c'est pas un problème, mais ces temps-ci, j'en bois pas assez. Fait que je trouve que ça aide pas ma peau. J'ai mangé une assiette de soba au saumon pour le dîner. Puis je les ai mangées froides, puis pour elle, c'était vraiment bon froid, donc j'avais raison, c'est excellent froid. Puis là, je vais uploader un article que j'ai écrit pour Mur à Mur. Puis ça devrait me prendre au moins une heure parce que c'est quand même assez long de mettre les photos. Puis je regarde les vidéos sur YouTube en même temps, mais sur la télé, c'est super. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant d'installer YouTube sur ma PS3 parce que c'est vraiment génial. Puis après, je vais me faire les ongles, je crois. Puis j'ai décidé que j'allais aussi nettoyer le petit congélateur de mon frigo, parce que j'ai un gros congélateur upright aussi, mais le petit congélateur, il est plein de verres, puis de gogos, puis pour vrai, je m'en sers jamais, fait que je pense que je vais te donner ces verres-là. Fait que, en tout cas, je vais faire le ménage de ce petit congélo. J'ai déposé ici plusieurs choses qu'il faut que je prenne en photo, parce que je vais écrire des articles. Il n'y a pas vraiment de lumière, de bonne lumière ici, mais j'ai mes équipements! Fait que je vais sortir le softbox. Puis je vais aller... Oh my god, j'ai failli faire tomber! En tout cas, je vais l'installer ici, celui-là. Lui, j'ai pas mis la housse dessus encore, je m'en suis pas servi. J'ai aussi des réflecteurs qui peuvent fonctionner avec des parapluies. J'en ai deux. C'est ça. Fait qu'on va faire un petit shooting. Un outil incontournable quand t'as un chat et tu fais des photos avec une base de tissu derrière, c'est un petit rouleau pour enlever les poils!
Bon, la lumière est pas super pour faire un flat lay, fait que je pense que je vais faire ça. J'allais prendre une photo de ça avec la clé USB d'accrocher sur le col. Ça aurait pas été très, très chic. Mon gars, ces étiquettes, c'est comme un sticker, puis ça arrive pas vis-à-vis, comme je peux pas mettre... C'est pas top. Ça, c'est les ballons piñata que j'ai reçus de Nui, puis à l'intérieur de la boîte, il y a des étoiles qu'on est censé découper pour... comme utiliser comme des étoiles de ninja pour percer le ballon puis faire éclater les confettis partout dans la pièce. J'ai envie d'essayer ça. Quoi de neuf? Moi, je suis retournée dans le divan, j'ai fini mes photos, puis là, je regarde les vidéos encore sur YouTube. Puis là, je suis en train de me battre avec la technologie de PolyPoly pour essayer d'uploader mon billet, puis c'est vraiment difficile parce que c'est pas WordPress, puis moi j'étais habituée dans WordPress. Anyways, là il est 5h15, puis je travaille encore un peu en regardant des vidéos. Puis plus tard, je vais me faire, je pense, les boulettes d'agneau que j'ai faites hier, mais je vais les faire dans un pita. Ça va être super bon avec la salade. Hey, je me nourris avec le fruit de mon travail. J'ai pas encore fait mes ongles, je regarde encore des vidéos. Là, je vais me choisir une couleur. Quelque chose d'automnal. Ah, tiens, un gris. C'est comme un genre de gris bleu. Et je vais mettre des boulettes chaudes avec de la salade dans un pita avec ma sauce par-dessus. J'ai mis les pitas dans le toaster, les boulettes dans le micro-ondes. On va voir ce que ça donne. Miam! Finalement, j'ai pas mis la salade dedans. Les pitas sont trop petits, mais c'est pas grave. Je vais manger à côté. Ça va être full bon. J'ai mis la sauce sur les boulettes. Puis après, je les ai mis dans les paquettes. Puis je bois aussi bouteille d'eau numéro 3. Yes! C'est vraiment très, très, très bon. J'ai reçu ce beau livre du chef Daniel Vizina sur la cuisine réfléchie, bien manger sans gaspiller. Puis c'est super beau. Vraiment, là. Un beau livre à offrir et à s'offrir. Puis, en tout cas, moi, ça m'inspire. Et pour ça aussi, je veux... tout passer à travers les choses que j'ai dans le garde-manger puis dans le congélateur tout ça parce que je veux rien gaspiller, je veux rien perdre. Puis vraiment là, ce livre-là il est super. Puis j'avais vu un atelier de Daniel Vizina à Tremblant pendant Tremblant Gourmand, puis il avait fait quelque chose de vraiment trippant. C'était une purée faite avec du maïs éclaté puis du beurre. Vraiment, là, on s'attendait pas à ça, mais ça coûtait le popcorn crémeux, genre. Peut-être tu mets ça sur du poisson ou sur des petites crêpes salées, c'était vraiment bon, là. Fait qu'il y a plein d'idées comme ça dans ce livre-là. Fait que si ça vous intéresse, il est ou sera bientôt disponible en librairie. C'est aux éditions de La Presse. Et je te dis, grosse journée, hein? Grosse journée! Regardez mon système de pointe pour me faire les ongles. C'est une boîte vraiment spéciale qu'on achète en pharmacie. Puis il suffit de déposer les mains dessus pour pouvoir appliquer son vernis. Alors, vraiment un article de qualité. Humour! Qui adore regarder le vidéo. Surtout quand il y a des chats. J'ai essayé ce soin-là aujourd'hui, là. Les ampoules de Babar, oh my god, j'en ai mis une. C'est tellement glorieux. Wow! Tu casses ça dans ta main puis tu l'appliques dans ton visage en massant, là. Oh, ça fait tellement du bien. Là. C'est comme si ma peau elle avait vraiment comme ma peau est vraiment plus douce depuis cet après-midi. J'ai fini de faire mes ongles, je suis bien contente. J'espère que ça va toffer. On dirait que c'est un peu vert. Il faut que je nettoie les contours. J'ai pas fini de sortir les affaires qui étaient dans le congélateur, mais tu sais, ça ressemble pas mal à ça, là. C'est un restant de boisson que je vais sûrement acheter. Puis c'est de valeur parce que ça, c'est vraiment bon, là. C'est au thé et au sureau. Mais ils en font plus. Fait que je peux prendre à racheter. Je vais écouter avant de l'acheter, là. Puis c'est plein de gugus, là, puis des verres, là, qui... Sérieux, là, des verres à la Martini, j'en ai 40 000, là. Il y a ça qui est cool, que j'avais oublié que j'avais, c'est des moules pour faire des glaçons. Ben, en fait, des verres à shooter en glace. Vraiment cool. Fait que, il reste tout ça, là, à sortir. Il y a une quiche, what? En tout cas, fait que je vais te ranger ça demain, puis je vais laver aussi le fond. Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi je vous montre ça? Ah, il y a de la vodka, là, aussi.
Bye YouTube, c'est le fun!